Bonjour, bienvenue sur la chaîne Torsade et Jacquard. Je vais vous montrer dans ce tuto trois techniques pour réaliser des boutonnières au tricot. Alors, je vais partir sur une base d'un petit échantillon en côte 1-1, parce que très souvent, la bande de boutonnage, vous êtes amené à la faire sur des côtes 1-1. Donc comme ça, on se retrouvera en situation réelle. Mais tout ce que je vous montre là, vous pourrez pratiquer de la même façon, quel que soit le point que vous avez pour faire vos boutonnières, que ce soit du jersey, du mousse, ça ne change pas la technique. La première technique vous permet de faire des boutonnières d'une maille. Alors, on a toujours tendance à vouloir faire des boutonnières trop larges. Il faut faire bien attention au tricot. Souvent, les boutonnières se détendent assez vite. Alors, nous allons faire sur cette largeur deux boutonnières d'une maille. Je vais les faire à 4 mailles du bord. 2, 3, 4. On va même faire à 5 mailles. Voilà. Donc, j'ai mes 5 premières mailles. Et là, je vais devoir faire la première boutonnière. La boutonnière que je vous montre, elle est toute simple. Vous faites un jeté. C'est-à-dire que vous passez votre fil par-dessus votre aiguille. C'est-à-dire qu'on va créer une maille. Et ensuite, on va tricoter les deux mailles suivantes ensemble. Donc, le mieux, c'est de respecter le point de la dernière maille. Donc là, si je prends mes deux mailles, j'ai la deuxième, c'est une maille endroit, donc je tricote à l'endroit. Voilà. Et je continue en respectant mes côtes. Donc là, vers endroit. Et on va en faire une deuxième. Donc à vous, après, de calculer l'espacement entre vos boutonnières. Donc, je respecte toujours mes côtes 1-1 et on va faire ça de façon symétrique. Je vais rajouter, voilà, je vais rajouter ici à nouveau. Donc là, ça tombe très bien parce que du coup, on ne tombe pas sur la même maille. Donc là, j'ai terminé par une maille envers. Je fais un jeté, donc mon fil, il est devant. Je le passe par derrière, par-dessus l'aiguille. Et là, je vais faire le tour complet, parce que je vais tricoter. Vous voyez, la deuxième, elle est à l'envers. Donc, je la tricote à l'envers. Je tricote les deux suivantes ensemble à l'envers. Donc, je recommence. Je fais un jeté. Mon fil est devant. Je le ramène devant moi. Et je tricote les deux mailles suivantes à l'envers. Et ensuite, je continue mes côtes. Donc, ça, sur le premier rang, vous faites un jeté de mailles ensemble. Sur le retour, c'est là que la boutonnière va se former. Sur le retour, ce qui est très important, c'est de bien respecter vos côtes 1-1. Donc là, l'envers, une endroit, une envers. Et là, j'arrive à l'endroit où j'avais donc mes deux mailles ensemble et le jeté. Donc là, pour respecter mes côtes 1-1, je tricote ma maille à l'endroit. Et le jeté, eh bien, je vais le tricoter à l'envers pour bien respecter. Là, l'important, c'est de respecter ces côtes 1-1. Et je repars avec une endroit, une envers. Jusqu'à ma deuxième boutonnière. Voilà, donc là, cette fois-ci, mes deux mailles ensemble, je les avais fait dans l'autre sens. Donc là, je suis sur une maille envers. Hein? Donc, c'est important, on a bien une maille envers, une maille endroit. Donc là, je tricote à l'envers et mon jeté à l'endroit. Et je retombe bien avec une maille envers. Et voilà, votre boutonnière est faite. Donc, elle va apparaître. Donc, la malène, elle est assez grosse, mais ce qu'il faut bien intégrer, c'est que ça va s'élargir à mesure que vous allez faire passer les boutons. Donc, n'essayez pas de faire des boutonnières trop grandes. Souvent, pour les layettes, pour des boutons pas très gros, cette technique-là va vous suffire. Donc, je vais vous faire un aller-retour
Comme ça, on va bien voir la boutonnière se dessiner. Voilà, donc ça c'est la première technique, c'est celle que vous allez pouvoir sincèrement utiliser le plus souvent. Quel que soit l'endroit où vous tombez dans vos côtes 1-1, la technique est la même, c'est-à-dire que vous faites un jeté de mailles ensemble et surtout vous repartez en respectant bien vos côtes 1-1 et le tour est joué. Je vous montre maintenant la deuxième technique, du coup qui va plutôt être consacrée à des boutonnières de plusieurs mailles. Donc ce qu'on va faire là, je vais vous montrer sur une boutonnière de 2 mailles. Donc vous démarrez vos côtes 1-1 et vous, ou votre point, et vous allez jusqu'à l'endroit où vous voulez faire votre boutonnière. Donc je vais la faire à cet endroit-là, et je veux une boutonnière de 2 mailles. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va rabattre 2 mailles. Donc vous tricotez la suivante, vous en rabattez une, comme quand vous arrêtez votre travail. Je tricote la suivante, je rabats. Donc là, on a rabattu 2 mailles. Et je continue. Faites toujours bien attention à respecter vos côtes 1-1. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer sur... on va en faire une autre, on va faire 3 mailles. Voilà, on va se mettre là. Donc là, je vais faire une boutonnière de 3 mailles. Donc, je tricote la première, je rabats, fais une. Je tricote la suivante, ça fait 2. Je respecte bien mes points. Et la troisième, ça fait 3. Donc là, on a une grosse boutonnière qui fait 3 mailles. Donc là, pour l'instant, on a juste rabattu. Voilà. Donc celle-là, elle fait 2 mailles. Et celle-là, elle fait 3 mailles. Donc, ce que l'on fait ensuite sur le... Donc là, pour l'instant, on a ouvert les boutonnières. Ce qu'il va falloir maintenant, c'est les refermer. Et ça, on va le faire au retour. Donc, toujours pareil, on respecte bien ses côtes ou son point. Je vais jusqu'à l'espace que j'ai créé en rabattant. Voilà. Et là, on va recréer 3 mailles. En faisant comme ça, on fait une boucle, hop. Vous serrez bien parce que ça se détend. 2 et 3. Et vous repartez en respectant bien vos côtes. Donc là, c'est un endroit. Hop. Voilà. Et n'hésitez pas à serrer parce que vous allez voir quand on va la retricoter, ça se détend. Je vais à la boutonnière suivante que j'ai faite sur 2 mailles. Voilà, donc là, je recrée 2 mailles, une. Vous voyez, je fais une boucle. En fait, c'est un nœud coulant. Hein. Je recommence, vous faites une boucle sur votre doigt et vous la passez sur votre aiguille. Vous serrez bien. Donc là, j'ai mis 2 mailles et je continue les côtes. Voilà, et là, pour vraiment finir mes boutonnières, ça va se faire à nouveau sur le troisième rang. Donc, je retourne jusqu'à ma boutonnière. Et les jetés, on va les tricoter. Donc là, les jetés qu'on a fait tout à l'heure, on va les tricoter, mais en les tricotant bien, en recréant mes côtes. Donc là, je suis en droit en vert, donc en droit et en vert. Voilà, et je repars avec mes côtes. Donc ça, c'était la boutonnière de 2 mailles. On va faire exactement la même chose sur la boutonnière de 3 mailles. Donc là, j'y arrive. Donc, en vert. Donc, mes 3 jetés, je les tricote à l'endroit. Enfin,
une en droit en respectant les côtes en vert et en droit. Voilà, et je continue. Donc là, pour créer votre boutonnière, il a fallu 3 rangs en fait. Donc, je fais le retour pour qu'on voit bien comment se dessine la boutonnière. Voilà. Donc là, on a une boutonnière de 2 mailles et là, une boutonnière de 3 mailles. Voyons maintenant la troisième technique pour faire les boutonnières. Alors, j'aime bien cette façon de faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de... On va faire une boutonnière de 2 mailles. Alors, ce que je vais faire, je vais en tricoter une de plus. Ce que l'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on va rabattre, sans les tricoter, on va tout de suite rabattre les 2 mailles qui vont nous servir à faire la boutonnière. Donc, je passe les 2 mailles sur l'aiguille de droite et je rabats tout de suite, sans les tricoter. Je prends la suivante. Et je la rabats. Après, je repasse la boucle sur l'aiguille de gauche et je crée tout de suite mes 2 mailles. Donc en fait, c'est plus rapide, il y a moins de hauteur et je trouve que le résultat est plus joli. Donc, je vais vous remontrer sur la suivante. Et donc là, je tricote en respectant les côtes. Donc là, j'ai fait celle de 2 mailles. Je vais vous remontrer sur une boutonnière de 3. C'est-à-dire, contrairement à tout à l'heure, au lieu de tricoter et de rabattre, on rabat tout de suite. Donc là, je vais faire ma boutonnière sur ces 3 mailles. Je passe les 2 premières sur l'aiguille de droite pour pouvoir rabattre sans tricoter la première. Je récupère la suivante, je prends la première, je la rabats par-dessus, donc ça m'en fait 2, et j'en prends encore une. Vous voyez, je les prends sans les tordre, de l'arrière vers l'avant, et je rabats. Donc là, j'ai rabattu mes 3 mailles, j'ai mon fil qui est ici, je repasse la maille sur mon aiguille de gauche. Vous voyez, on a une... 3 mailles rabattues et je les recrée tout de suite. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on a fait tout à l'heure, là, sur le même rang, sur la même étape, on va à la fois rabattre et recréer les mailles. Donc, 1, 2 et 3. Et après, c'est la même chose. Donc là, en droit, donc là, c'est une maille en vert. Je serre un petit peu la première. Voilà. Moi, j'aime bien cette technique, ça fait une boutonnière un petit peu moins ronde, un peu plus, vous voyez, hop. Donc là, on va tricoter les jetés qu'on a créés pour retrouver toutes nos mailles. Donc là, je viens de faire une en droit, donc je fais une en vert. Une en droit, une en vert. C'est reparti. Donc là, je viens de faire une en droit. Donc, vous voyez, si vous allez avoir ça, c'est inévitable puisqu'on a fait des mailles coulées et qu'en plus, on se retrouve sur le bout de l'aiguille. Donc, quand vous piquez, donc là, je dois faire une en vert, vous glissez, vous écartez un peu la maille pour que cet espace-là se réduise. Donc, en vert, je refais pareil, j'écarte un petit peu. Oups, donc là, je l'ai perdu, pas de panique.
Voilà. Endroit. Et je repars sur mes côtes. Voilà, pour la précédente, il fallait 3 rangs. Là, en 2 rangs, on a fait la boutonnière. Donc, je vais refaire un rang pour qu'on la voit mieux. Donc, moi, l'idéal, sincèrement, c'est de... Dans la grande majorité des cas, ça suffit, c'est de faire la boutonnière en faisant un seul jeté. Et ce qui est le plus joli, c'est quand elle se retrouve entre 2 mailles en droit. Donc là, vous avez un joli espace pour votre boutonnière. Là, sur 2 ou 3 mailles, vous voyez, ça fait vite un gros trou. Et sur 3 mailles, c'est vraiment... Voilà, j'aime bien celle-là parce qu'on fait tout sur le même rond. Voilà, j'espère que du coup... C'est un petit peu plus clair pour vous au niveau des boutonnières. Si ça vous a plu, je vous invite à me mettre un j'aime, à abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt sur la chaîne Torsade et Jacquard pour les prochains tutos. Bon tricot !